Et pour en parler avec nous, l'ex-international algérien Karim Matmour en direct de Strasbourg. Bonsoir Karim, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, c'est une victoire importante pour les Verts, Karim Matmour. Est-ce qu'on peut dire que votre ancien coéquipier, Majid Bouguera, assure? Franchement, c'est une belle victoire, hein, 4-0. C'était le meilleur commencement possible pour, dans la compétition. Donc, ouais, je suis très content pour lui, je suis très content pour l'équipe nationale. En espérant que les autres matchs les assurent autant. Et le classico du groupe D se jouera donc entre l'Égypte et l'Algérie. Vous savez, le dernier match entre les deux pays s'est disputé en 2010 en Coupe d'Afrique. La donne a changé, Karim Matmour. Quelle est votre lecture en prévision de ce match? De toute façon, ça reste un derby. Les derbys sont des matchs un peu particuliers. Ce sera un match avec beaucoup d'engagement qui sera aussi déterminant pour nous parce que si on gagne, bah, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour la suite. Donc, un match très important et qui sera très engagé, je pense. Et qui seront, selon vous, donc, les deux favoris, d'après Karim Matmour, hein, de jouer la finale de la Coupe arabe, dites-nous? Bah alors déjà, il faut qu'on y soit nous, ça serait déjà bien. Après, honnêtement, cette parable, je connais pas tous les effectifs parce qu'il y a pas mal des effectifs qui sont mixés. Donc c'est difficile d'en sortir un, tout particulièrement. Mais en tout cas, je sais que voilà, on a un groupe capable d'aller jusqu'au bout et c'est ce que je souhaite à mon ami Majid. Merci beaucoup, Karim Matmour, d'avoir été en direct avec nous depuis Strasbourg.